Bonjour Lorraine. Bonjour Alex. Je suis avec Lorraine Castelli qui est thérapeute, expert en psychologie, en développement de soi et en relations interpersonnelles. Et elle anime les centres Soma depuis plus de 30 ans. Et c'est mon référent sur ces sujets-là. Et Lorraine m'accompagne dans mon propre développement personnel depuis maintenant plus de 3 ans. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'attente de l'autre dans le couple. À commencer par... D'où vient cette idée de perfection dans le couple qu'il s'agit de quitter finalement Absolument. Pour comprendre ça, je crois qu'il faut revenir à cette idée que l'enfant, quand il naît, dépend totalement du parent. Donc il dépend totalement de la figure d'attachement. Et pour lui, cette figure d'attachement, c'est son monde. Ouais. C'est un monde unique, complet. Et pour pouvoir se faire aimer, aimer au sens d'accepter, pas rejeter, hein, ça vient de très très loin, un grand archaïsme en nous. Donc pour ne pas se faire rejeter, il est important pour l'enfant d'être au centre et de représenter lui aussi tout pour le parent. Il a besoin de devenir une sorte de figure parfaite, totale, c'est vital. Complète. C'est vital pour lui de représenter ça. Donc il voit le parent comme une figure parfaite et il veut être cette représentation du parfait pour le parent aussi. D'ailleurs, ça peut durer longtemps après le stade bébé. Là, ça dure très 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 longtemps. Je parle de mon propre cas. Je crois que j'avais à peu près 30 ans quand j'ai pris conscience que peut-être ma mère n'était pas parfaite. Et mon père, je m'en suis rendu compte encore plus tard. Donc bon. Voilà, il y a de la marge. On voit que ça peut durer. C'est peut-être ma facette bébé. Oui, mais c'est une facette bébé chez tout le monde. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, et en plus, on vit une société qui nous impose aussi beaucoup une idée de perfection, une société de l'image qui nous apporte beaucoup cette idée de. Il y a une représentation parfaite de ce que doit être l'homme, la femme, et on a l'impression qu'il faut passer par le chat de l'aiguille de cette perfection pour avoir le droit de commencer à avoir une vie parfaite, un couple parfait, voilà. Et en fait, le parfait n'amène pas grand-chose, d'abord parce que ça n'existe pas, ça c'est évident, et que la beauté naît de l'imperfection, comme l'art. Ça vient de l'imperfection. C'est aussi la preuve qu'on se détache du modèle pour commencer à être soi. Oui, et j'avais noté une phrase qui m'avait bien impacté pendant le stage couple que tu as animé récemment et auquel j'étais participant, comme on dit, stagiaire. Oui, stagiaire, participant. Oui, on ne construit pas un couple sur des points hauts. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on est dans l'idée qu'on est aimé pour tous ses points forts, pour tout ce qu'on est capable de réussir, cette attente de l'autre qui dit « Ah, moi, je suis tellement fière parce que il, elle, a ça. » Le jour où on tombe, le jour où on a un échec, parce qu'on en a forcément des échecs, bien sûr, on commence à se sentir abandonné. Et le couple, ne se construisant que sur les points hauts, a l'impression qu'il se décote quand il arrive dans les points bas. Et à ce moment-là, il ne s'aime plus. Il n'est plus amoureux de son propre couple. Et là, bah, c'est le début de la fin. Donc en fait, l'amour, c'est aimer l'autre dans sa différence, d'une part, et dans ses imperfections. Surtout. Et de l'aimer quand même, dans ces moments-là. C'est aimer l'autre pour tout ce qu'on perçoit chez l'autre, de son espace de liberté, de son espace de construction. Parce que c'est parce que l'autre va prendre ce terrain-là qu'il va nous autoriser à le faire aussi. Ouais. Et là, il y a de l'échange. Ouais. Voilà. Faut reconnaître, bah là j'ai vu que tu n'étais pas parfait, ok, moi non plus, bah on va avancer et puis on va continuer à construire quelque chose d'intéressant. Ouais, donc j'imagine que le risque de perfection, c'est que ça peut donner des céréales, comment dire, des couples Kleenex en quelque sorte. Oui, totalement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une imperfection qui se manifeste, bah c'est la fin. C'est la fin. On se quitte. Je crois que l'exemple, je sais pas si c'est toi qui avais donné l'exemple des chaussettes, genre ah ben il laisse ses chaussettes traîner par terre, oui. Bon ben il est bordélique, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Ou alors à l'inverse, ah ben il a des chaussettes très bien rangées dans son placard, c'est qu'il est psychorigide, bon ben c'est fini. C'est ça, c'est ça, c'est ouais, ça. Peut marcher. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Ouais, même... ça marche dans les deux sens. Oui. Et ça me rappelle, parce que j'avais étudié par rapport à mon équipe des sites de rencontres à un moment,
Et j'étais assez affolé de voir la fréquence avec laquelle on trouvait sur des profils, des descriptions, des gens qui recherchaient, ils voulaient une relation sans prise de tête. Et je me suis dit, oulala, est-ce que je cherchais bien longtemps? Ben, ça n'existe pas et ça serait même très dommage. Ouais. C'est-à-dire, si prise de tête, ça veut dire emprise, là, on a raison. Si prise de tête, c'est juste se poser des questions ensemble, avec bienveillance, toujours la même chose, on passe à côté du couple, c'est bien dommage. Ouais. Mais... Alors, jusqu'où peut-on pousser l'inverse? C'est-à-dire, si on recherche pas la perfection, est-ce que ça veut dire qu'on peut limite prendre le premier venu parce que de toute façon, comme on vient avec ses histoires, ses facettes, et que beaucoup de la dynamique est jouée d'avance? Voilà. Alors, à quel point? Souvent par bravache un peu, je dis aux stagiaires, prenez n'importe lequel et ça fera l'affaire. Évidemment que c'est une blague. Évidemment, c'est une blague. Oui, c'est un peu provocateur. C'est très, très provoque. C'est très provoque, mais c'est parce que j'ai envie de casser cette image prince ou princesse charmante. Ouais. Il faut, celui-là, ses chaussettes, il les range comme ça. Celui-là, il a un bouton sur le nez. Celui-là, il ne gagne pas assez d'argent. Enfin, on arrive dans un supermarché où on oublie que le principal dans un couple, c'est surtout comment on va le porter, comment on va évoluer, comment on avance ensemble. Et c'est cette marge de progression qui va définir le couple. On peut, c'est comme une peinture, on va prendre un certain temps à choisir les bons pinceaux, la bonne couleur, le bon châssis, mais ce qui va compter, c'est quand même toute l'inventivité qu'on va y mettre. Donc évidemment, on ne prend pas n'importe qui, je ne dis pas ça, mais attardez-vous plus sur la capacité que vous avez de créer du lien et de peu à peu défaire vos peurs d'attachement fusionnel, c'est-à-dire de vous découvrir. On émerge d'un couple comme on émerge d'une pierre quand il y a une sculpture. On émerge, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire comment j'émerge, comment on émerge tous les deux, je et on. Est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est ça? Non. Ouais, donc c'est moins une question de quel plat on va choisir pour faire sa cuisine que quels ingrédients on va mettre dedans et quel repas on va créer avec. Mais bien sûr, ouais. Totalement. Ok, pour faire une analogie. Ok, eh ben merci Lorraine. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le couple, sur le développement personnel, qui voudraient aller plus loin avec toi, comment pourraient-ils faire? Le plus simple, c'est de m'envoyer un mail. De me contacter, donc c'est quoi ton email? lorraine.castelli@hotmail.fr. Et tu as aussi un site web? Et j'ai un site web, centresoma.fr, sur lequel sont notifiées les nouveautés au centre. Donc les nouveautés là, c'est que moi je monte un groupe à peu près tous les 3-4 ans. Là en ce moment j'en remonte un qui est un groupe à long terme où on va travailler comme tu fais. C'est le genre de groupe dans lequel je suis. Voilà. Depuis plus de 3 ans maintenant. Et où on va vraiment passer en revue, en groupe, tout ce qui fait l'attachement, tout ce qui nous empêche finalement d'être bien, de vivre, les dictatures qu'on s'applique à soi, le rapport à la mère, le rapport dans le couple, la sexualité. On va travailler tout ça sur de nombreux mois. Et puis à côté de ça, une fois par an, je propose un stage ponctuel. Donc là, ce stage ponctuel de cette année, c'est sur la façon dont on arrive dans un couple nombreux, avec toutes ses casseroles, avec toute sa batterie de cuisine, en ayant toujours l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, c'est pas nouveau du tout. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir éviter de recréer sans cesse le même couple comme un tampon encreur, quoi. Oui, donc c'est un stage qui s'adresse à la fois aux célibataires comme aux gens qui sont déjà en couple. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on travaille sur la manière d'être en couple. Qu'est-ce que ça veut dire être en couple pour chacun? Faire en sorte que le prochain soit le bon. Je devrais signaler que sur les stages de plus longue durée, il y a un nombre limité de places. Oui. Et donc, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, quand vous allez contacter Lorraine, parce que déjà, d'abord, il y a une prise de contact, évidemment, qui peut être en personne, si c'est à Paris, parce que Lorraine fait des apéritifs à Paris pour se rencontrer. Donc, selon la date à laquelle vous allez la contacter, soit il y aura de la place, soit vous serez sur liste d'attente, ça dépend. Voilà, ce sont des groupes à maximum de 15 personnes. Donc, j'en monte assez rarement. Il se trouve que là, il y en a un qui va démarrer probablement à l'automne, donc les inscriptions sont ouvertes automne depuis quelques 2017. Temps. Voilà, exactement. Parce que certains vont peut-être regarder en 2022 cette vidéo.
2017. Enfin, c'est l'intérêt de YouTube aussi. Eh oui, et oui. Et ben, en 2022, peut-être qu'il y en aura un autre, mais... Ah ben, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, je remonte un pour l'instant, on verra. Ouais. Voilà. Ben, merci, Lorraine. Mais de rien, volontiers, Alex. À bientôt, au revoir. À bientôt.